Autre innovation dans un autre registre, vous connaissez les distributeurs de baguettes, de pizzas et même de certains médicaments. Eh bien, voici qu'arrive le distributeur de viande, une sorte de boucherie en libre service qui vous délivre des plats cuisinés ou de la charcuterie 24 heures sur 24. Initiative d'un boucher de Bar-le-Duc, Romain Vialon et Philippe Drouot. Ce rosbif que découpe Rémi Roblot ne sera pas vendu dans sa boucherie de Bar-le-Duc, mais transporté à quelques kilomètres de là. Ce rosbif qu'on vient de préparer va être commercialisé dans le distributeur. Donc je vais le déposer. Ce distributeur, le voici, installé en plein milieu de cette zone commerciale. Deux fois par jour, cet artisan boucher vient le ravitailler avec les produits qu'il fabrique. Des plats cuisinés, des lasagnes, des plats du jour, des poulets cuits, des produits aussi, les best-sellers du magasin, les pâtes écroutes, les bols de fromage de tête. Dans cette machine dernier cri, 40 casiers. Les produits frais peuvent y être conservés jusqu'à 3 jours grâce à ce système de soufflerie. Veuillez sélectionner le produit souhaité. Pour son déjeuner, ce couple de passage s'est laissé tenter par deux pâtés lorrains. Moi, je pense que c'est bien parce que c'est ouvert quand même 7 jours sur 7, ça peut dépanner. En plus, l'accès est facile, donc il n'y a que des points positifs. On fait aussi des ventes à des moments, des heures improbables. 4h30 du matin, on peut vendre deux petits pâtés. À minuit, on peut vendre deux lasagnes. Donc, c'est surtout apporter un service en plus du service du magasin. Une application lui permettra prochainement de contrôler en temps réel les stocks. Coût total de la location, plus de 400 euros par mois.